Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous prendrons la direction de Santa Ita Park à Los Angeles, une réunion réservée à des galopeurs. Il y aura quatre courses une course très intéressante, une course de groupe 2 réservée à des femelles âgées de 4 ans et plus. Il y aura aussi des maidens. Et des réclamés. Je vous rappelle que vous pouvez jouer chez notre partenaire The Turf. On s'intéresse à la deuxième sur l'hippodrome de Santa Anita, une course de groupe 2 réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Nous sommes sur 1700 mètres euh, parcours euh, piste en dirt et elles sont 4 au départ. Il y a un nom partant à signaler, et il y a une grande favorite dans cette course, c'est le numéro 5, Ashton GOES BY une jument de 4 ans qui a 6 courses, 3 victoires, 3 places. Elle, euh, elle s'annonce vraiment co comme une championne. Elle vient de, de gagner facilement une épreuve de groupe 2 sur le DIRT de Santa Anita. Elle est présentée par euh, le top entraîneur Bob Baffert et montée par la légende Mike Smith. Mike Smith, c'est plus de 200 groupes 1 là-bas aux États-Unis. Il est le jockey le plus titré. Voilà, le numéro 5, ASTAM go Bye, euh, qui vient de, de se balader. Hein. Mike Smith ne l'a même pas sollicité. Elle a gagné comme une championne et je pense qu'elle va une nouvelle fois gagner très très facile. Troisième course sur l'hippodrome de Santa Anita. Ce sont des femelles de 3 ans, 1200 mètres à parcourir sur le gazon. C'est une course à condition et il y a une pouliche qui se détache, c'est le numéro 5. Onejar, qui sera associée à Umberto Rispoli, c'est une police qui a couru à deux reprises, qui s'est imposée et qui a pris une place. Elle a couru deux fois et elle avait débuté par une deuxième place sur, sur ce tracé de, de Santa Anita le 20 février sur le gazon. Et lors de sa deuxième sortie, elle a fait vraiment forte impression. Elle a gagné sur, sur ce parcours de Santa Anita, mais vraiment très très facile. Hein. Elle a gagné comme une championne. Euh, donc je pense que ce numéro 5, Onejar euh, va encore gagner cette fois-ci. Et euh, pour lui associer un... un un cheval euh, au couplet, on peut mettre le numéro 4 respectfully associé à Mike Smith, une euh, pouliche de euh, entraînée par Yann Hanson qui reste sur deux victoires, une victoire sur le gazon de Santa Anita et une autre victoire sur le dirt. Mais euh, elle a fait, euh, elle a fait, elle a bien gagné, mais moins belle impression que, que ce numéro 5 à hein, qui sera vraiment ma, ma grande favorite. Donc on peut faire un couplet 5 et 4. Et puis si vous voulez faire un Z4, vous pouvez lui rajouter euh, le numéro 3 x Surprise et le numéro 6, Feather, qui sera confié à Flavien Pratt. La quatrième, c'est une course à réclamer. Ils sont 6 au départ, 1200 mètres à parcourir sur le dirt et il y a deux chevaux qui se détachent dans cette épreuve, le numéro 4 et le numéro 5. Le 4, il s'appelle Octopus, il reste sur des bonnes sorties, il est monté par un, un jockey très en forme là-bas qui s'appelle Abel Cedio. il fait partie des top 5 là-bas sur l'hippodrome de Santa Anita, cheval vient de faire... Une semi-rentrée sur le parcours, c'était le premier er mai, il se classait troisième, c'était plutôt bien. Et Cheval qui avait fait une très belle impression lors de son avant-dernière sortie, c'était le 15 février. Il avait gagné très très facile hein, sur euh, dans une épreuve similaire, c'était sur le parcours. Euh, il est entraîné également par un entraîneur hein, qui fait feu de tout bois là-bas sur l'hippodrome de Santa Anita. Donc euh, je jouerai en simple gagnant. Le numéro 4 Octopus et pour un, un jumelé, je lui associerai le numéro 5 Black Storm, euh, un cheval qui a laissé également une belle impression lors de sa dernière sortie ici à Santa Anita, c'était le, le 23 avril sur euh, 1100 mètres. Euh, C'est un cheval qui n'a pas gagné de très loin dernièrement, mais euh, son jockey a contrôlé toute la course et il est venu s'imposer juste au bras. Donc voilà deux chevaux à jouer dans cette épreuve le 4 et le numéro 5. Cinquième et dernière épreuve à jouer sur l'hippodrome de Santa Anita, un maiden réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont neuf au départ de cette course et il y a une, une pouliche que j'aime beaucoup. C'est le numéro 6, Look into Get Even, confié à Flavien Pratt. Flavien Pratt qui est euh, top jockey là-bas. Il est premier au classement des jockeys à Santa Anita. Son entraîneur Philippe D'Amato était également euh, premier au, au classement euh, sur l'hippodrome de Santa Anita. Donc ce sont quand même des, des bonnes indications. Euh, une pouliche qui vient de très bien courir. Le 3 avril dernier sur le parcours, c'était dans un lot similaire. Elle a fait vraiment quelque chose de très intéressant. Elle a patienté en dernière position. Et elle a eu le jour en dedans très, très tardivement. Mais elle a vraiment bien, bien accéléré pour venir arracher la deuxième place. Donc, je pense que ce numéro 6, confié à Flavien Prat, va pouvoir gagner sa course aujourd'hui. Dans cette épreuve, il y aura une pouliche qui sera très jouée. Elle se nomme La Gioza. Elle était entraînée auparavant en France. Elle va faire ses grands débuts là-bas à Santa Anita. Maintenant, je ne vais pas la mettre en simple gagnant parce que c'est une course de rentrée. Première fois aux États-Unis, première fois qu'elle sera sous la Zix. Donc voilà, je préfère attendre de, de la voir courir une première fois pour, pour savoir ce qu'elle sera capable de faire là-bas aux États-Unis. Mais vous pouvez la mettre dans un jeu, un couplet, si, si vous avez envie. Elle sera certainement très jouée. Et puis, euh, si vous voulez faire un Z4, vous pouvez associer deux chevaux. Le numéro 9, Miss Bella Chiao, qui, qui vient de bien courir, qui vient de faire une bonne rentrée en prenant une bonne quatrième place. Et également, vous pouvez associer le numéro 3, ce qui s'appelle Cedar Apple, cheval qui est une pouliche qui est, qui est très régulière, qui fait l'arrivée de, de toutes ses courses. Donc voilà, le 6 devant l'as. Et pour un Z4, vous rajoutez le 9 et le 3. L'émission touche à sa fin, quatre courses pas faciles à étudier, peu de partants mais je pense néanmoins avoir trouvé de bons petits gagnants. N'hésitez pas à aller jouer chez notre partenaire The Turf et on se retrouve dimanche pour une nouvelle étude à Santa Anita. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.